Basta olhar pro horizonte pra uma nova esperança despontar. Oh, oh, oh. Abre os olhos pro futuro, que outro sol agora irá brilhar. Brasil, Brasil. A chama está acesa e pronta pra incendiar a alma e o coração. Aqui no Brasil, as nações do mundo prontas pra celebrar. Amor e muita paz, unidos somos mais. E é um novo ter que a gente avista. É o povo brasileiro nessa conquista. Criança pra pra gente, nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Senhoras e senhores do mundo inteiro, sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, explosão da natureza. Só gente carinhosa, meu Deus, quanta beleza. A gente é sua bandeira, cada um pro seu país. E a festa é brasileira pro mundo ser feliz. Somos uma só torcida com alegria e emoção. Que esporte é vida, acelera o coração. Garra, força e energia, isso dá pra ver. De qualquer canto deste planeta, o grito da torcida. Bien, bonjour. C'est pas bon, ça, on va faire une deuxième prise. Bonjour. Bonjour. La deuxième prise est toujours la meilleure. Non, la troisième. Je vous souhaite la bienvenue dans ce cinquième stage vacances football organisé par l'association Foot Récré ainsi que le SDOL. C'est la promotion Pelé. On peut applaudir Pelé, c'est un grand joueur. Merci pour lui. Voilà, la promotion Pelé, on découvrira qui était ce magnifique joueur qui a gagné quand même 3 Coupes du Monde. Donc respect pour ce monsieur qui a tiré sa révérence à l'automne. Bien. Thank you.
Allez, continue, gardien. Voilà, bien joué. Parce que Pelé, c'était un surnom en fait. Son prénom, c'était Edson. Il avait deux noms parce que les Portugais et les Brésiliens gardent le nom de la mère du père. Edson Arantes do Nascimento. Ça, c'était son identité réelle, mais son surnom, c'était Pelé. Et c'est resté dans la mémoire collective. Allez, un petit hommage au roi Pelé. Figure planétaire. Edson Arantes do Nascimento dit Pelé, ou plutôt le roi. Car le Brésilien a régné sans partage sur le football. Considéré par beaucoup comme le tout meilleur joueur de l'histoire, Pelé était d'abord un palmarès unique. 1958, 62, 70, trois fois, l'attaquant mène la Seleção vers le sacre mondial. Trois Coupes du Monde, pour un même joueur, personne ne réalisera l'exploit après lui. Applaudissements pour Pelé, merci pour lui. Le quoi? Le short. Le short. Hein? Le vin. Le vin. Bien. Il n'y a pas de vin là, il y a un vin. Allez toi, tu n'as rien trouvé? Non. Regarde bien, regarde les étuvers, la différence. On peut trouver. Il n'y a pas quoi? Sur le t-shirt, il y a pas, il y a un truc là et là. C'est quoi pas le truc? Ça. Montre. Quoi? Oui, mais ça m'a celui qui est bleu. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Retrouvez Messi, premier qui me le montre sur l'écran. Chut. Allez, 5 secondes. Vas-y, montre-le vite. C'est bon, voyons. Vas-y, montre. Pas de différence, allez, go. Allez, le premier qui en trouve une, marque le point. Vas-y, montre. Le crabe. Le crabe. Toi, t'as vu autre chose? Non, c'était... Le crabe, hein, c'est toi pour l'instant. Petit, tu as trouvé? Non. Non. Cependant, la loi 12 nous mentionne que jouer de manière dangereuse, soit pour nous ou pour l'adversaire, devient une faute sanctionnable.
derrière la nuque, tenue à deux mains, au-dessus de la tête, directement dans le jeu. Position avantageuse offensivement. L'avantage n'est pas un droit. Soit une passe en retrait et non en avant. Il n'y a pas de hors-jeu. Stratégique. Si les défenseurs se déplacent, les attaquants s'agglutineraient devant la cage adverse et attendraient tranquillement qu'on leur envoie le ballon pour marquer à bout portant. Pas passionnant, n'est-ce pas? Le hors-jeu favorise... Quelle que soit la décision prise, ça ne sert à rien de la contester. Une fois que c'est sifflé, l'arbitre peut se tromper. C'est pas une machine, d'accord? L'erreur est humaine. Même en Coupe du Monde au plus haut niveau, et pourtant sont les arbitres de très grande qualité, ils peuvent faire des erreurs. Si c'est toi qui l'as sorti, c'est donc toi qui vas avoir la touche. Toi, tu attaques dans cette direction, d'accord? Tu attaques par là. Donc je prends le drapeau et je le mets comme ça pour indiquer que c'est pour toi, parce que c'est ton équipe qui attaque dans ce sens.